se retrouve pour une vidéo sur Castle Crasher. Désolé pour le bruit. Alors, Castle Crasher, bon, on ne présente plus ce jeu. Un jeu arcade qui est sorti, je sais pas moi, il y a bien 5 ans. 6-5 ans, ouais, peut-être comme ça. Voilà. Et un jeu sympa à faire, bon, pas le genre de jeu. Pas comme Mirror's Edge avec un scénario dur comme fer. Quoi qu'encore que Mirror's Edge, enfin bon. Non, juste un petit jeu de tente comme ça, voilà. Alors, quel personnage je vais prendre ça? Je dois avouer que je me suis posé la question. Et le problème, c'est que, bon, recommençant une partie, forcément, il faudrait que je prenne un personnage niveau 0. Le problème étant que, je les ai presque tous essayés, il me semble. Voilà, niveau 2, bon, alors, c'est niveau 2, c'est tout, ça va, mais c'est pas un niveau 99 comme lui, mais bon. Niveau 8, non. Niveau 9, non. Ah, lui est niveau 1, il est marrant. Peut-être. Non. Niveau 1, ouais, mais lui, j'aime pas sa tronche. Ouais, bof. Bof. Ah, bon, après, fichier niveau 2. Bon, lui, déjà, j'ai terminé. Lui, il est sympa. Lui, il est sympa. Non. Donc en fait, concrètement, entre lui et lui. Mais lui, on va prendre le chevalier gris avec la tête ouverte, ça va être sympa. Allez. Non ? Ah. Alors, voyons voir un petit peu. Bah, il est carrément stylé en plus, hein. Alors ça change des autres qui sont trop sérieux. Sympa de disparaître quand on meurt. Allez, arrête de danser. Bon, alors, je connais déjà... J'aurais où je marche sur la table. Je connais déjà les règles, hein, donc je vais pas m'embêter à... Et vous embêter à rediscuter avec tout le monde. Un peu. Ah oui, par contre, le seul truc qui fait un peu de cheater, c'est que j'ai déjà... un item que j'ai en tête, pour ceux qui connaissent pas, bon... je les ai tous déjà. Normalement, on les récupère au fil de l'aventure. Bon, ils sont pas tous d'une utilité extrême, voire même ils sont d'une futilité extrême. Mais bon, tant pis, on démarre avec. Comme si ça allait être un atout absolument. Regardez. Non, pas ça. Voilà, waouh. Ça a de l'air. Par contre, j'ai 2500 pièces. Pièces d'or, ça, oui, effectivement, ça peut-être un peu m'aider. Non. Alors, nous sommes en premier dans le village du château, me semble-t-il, attaqué par les barbares. Regardez-moi, oh, beau butin, regardez-moi ces barbares, d'ailleurs, hé hey. D'ailleurs, je sais pas si je les ai, les barbares, en personnage jouable. Alors, attends, on va juste essayer la magie, voir ce que ça donne. Super. Ok, pour l'instant c'est tout. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ah, mais c'est ça. Heureusement que j'ai joué. Bah ouais, bon, je retire. Allez, mais meurs. De toute façon, on va faire un arrêt. Oui, parce qu'en plus d'avoir déjà l'arc accessoirement. J'ai effectivement pas mal d'armes. Oh, il y a la princesse. J'ai effectivement pas mal d'armes, donc on va voir un petit peu si je peux pas en trouver une un peu plus badass. Parce que celle-là, remarquez, pour un niveau 1. Non. Je compte naturellement aller jusqu'au bout du jeu, qui est pas vraiment long. Terme d'épisode, si j'en fais des épisodes de 20 minutes, si je prends pas en compte le fait que je vais mourir 18 fois, comme dans Mirror's Edge, je dirais peut-être une dizaine d'épisodes, non, remarque, c'est beaucoup d'épisodes.
honnêtement, je sais pas. C'est juste qu'il est vraiment pas long, le jeu. Bien sûr, après, une fois qu'on a terminé une première fois l'aventure, on nous la propose une seconde fois dans un mode insane. Et je ne ferai pas parce que vous allez pouvoir un niveau 99, qui est entre autres le niveau le plus élevé. Mais, et j'avais, disons que cette aventure en insane n'est pas faite pour être achevée à un joueur. Pour l'instant, j'ai personne avec qui jouer. Donc, on va faire ça. Au pire, je pourrais faire. Eh, mais j'ai un copain là. Eh, je suis quand même vachement plus stylé que lui. Hein. Vas-y, bats-toi pour moi. Habillé pareil, j'aurais même épée et tout. Ah, alors tant que je suis là, je vais acheter des potions parce que il me semble que j'en ai pas. Allez, vas-y. C'est notre épée, ça, non? Ouais, c'est notre épée. Ah, ok, la vieille épée de merde. Mince. Ah, voilà. On va aller ici. On va prendre ça déjà. C'est un artefact, une boussole, on aura besoin plus tard. Alors, on va commencer par les armes. Alors, sachant que je suis niveau 1, j'aimerais améliorer idéalement ma force et ma... Attendez, non, j'ai pas moyen, non, de... Ok, je pensais que j'avais moyen de montrer mes stats, mais non. Donc, de toute façon, je vais bientôt monter d'un niveau, niveau 15, niveau 10, 15... Ouais, ok, bon, ça va être... Ah, niveau 1. Super. Ah, par contre, rajoute des coups critiques, il me semble que c'est ça. À chier. À 15, 10, 1. Ouais, plus 0. Niveau 1. Ouais, bon, alors on a 22 force, mais. On va voir si on a une autre. Ah, celle-là, plus 2 de force. 5, 1. Ouais, plus rien. En fait, bon après j'ai pas toutes les armes. Hein. Mais... Ah, ouais. Dommage, elle était stylée celle-là. Dommage. Dommage que je recherche pas l'agilité. 30, 15. Ah ouais, super. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là parce que c'est celle-là qui donne le plus. Bon, enfin. Sauf si j'en trouve une autre. Non, elle est sympa celle-là. Sauf si j'en trouve une autre. Super, même le bout de carton, faut être niveau 15. Allez. C'est sympa ici. C'est vraiment sympa. Elle est très moche celle-là. Ah mais c'est le sceptre du roi ça. Celle-là c'est vraiment d'aller classe. C'est le sceptre du roi. Ou une carotte, les carottes c'est bien aussi. Ah. Et donc voilà, ça c'est bon. Et on va aller ici pour prendre un petit animal. Alors, concrètement, chaque animal donne un boost de quelque chose ou une compétence. Enfin, une compétence. Je pense principalement à... On y arrive. À cet œil, par exemple. Ou au dragon, là, au petit dragon. Qui l'œil, je crois, il crache des lasers. Enfin, il crache des lasers. Il envoie des lasers et le dragon crache du feu. Alors... Alors j'ai le choix normalement, parce que j'ai déjà fait l'aventure quelques fois, mais normalement je prends la petite girafe toute mignonne. Alors pourquoi? Parce que voilà, girafée vous aide à améliorer votre niveau rapidement, qui est pratique, qui est très pratique. Après peut-être que voilà, on peut prendre un autre qui voilà. Ouais bon, ok, toi t'as chier. Toi tu fais quoi? Vous aide à trouver les objets cachés, ça m'intéresse pas. Alors récupère les fruits. Ok, d'accord. Bon. Ah, sinon, il y a la poule là de The Behemoth qui augmente puissance, défense, agilité. C'est pas mal aussi, mais bon, je pense quand même que je vais rester sur la girafe. Comme ça, de toute façon, voilà, à mon avis, quand on sera niveau peut-être 10, 15, je changerai. Voilà, peut-être pour la poule qui est sympa, en l'occurrence. Alors, ici, c'est une arène, j'y vais pas. C'est simplement, genre, les ennemis viennent en masse pour me tuer et bon je pense que c'est le moyen de se faire un petit peu d'XP mais waouh j'ai vraiment l'air fin moi avec mon poireau, non pas mon poireau, mon brocoli.
Ah, niveau 2. Nouvelle combinaison. Ah. Elle donne quoi? Ah bah c'était... c'était l'arme, l'arme de merde. Non, arrête! Lâche mon col. Alors à la fin du niveau, on va me demander... Aïe. On va me demander dans quoi je veux placer mon point de compétence, parce que bon, quand on gagne un niveau supérieur, on obtient un point de compétence. Et je pense faire comme d'habitude, dans le sens où je vais d'abord augmenter la magie à fond. Parce que la magie, c'est clairement... bon là, les ennemis sont pas compliqués, mais je sais que tout seul, il y a quelques niveaux qui sont ultra durs. Sans spoiler, quand normalement on arrive dans un niveau, il y a de la lave quoi. Voilà, regardez, déjà je me fais aligner là. Et après, j'augmenterai un peu la force. Du coup, la force. Ouais, en fait, j'hésite à prendre la force aussi parce que voilà, là, je tape du 5, 7. Ouais, 7 parce que c'est mon compétent. Ou peut-être que j'augmenterai les deux. Donc c'est tellement pratique d'avoir... normalement c'est lui qui me donne l'arc je crois. C'est tellement pratique d'avoir... Ah putain. D'avoir de la magie. On va voilà, garder ça à côté de nous parce que... Voilà déjà il faut toucher. Tiens. Boum. Mais arrête. Oh bon allez. Hop là. On a l'argent, putain, pour ce que ça coûte. C'est chiant de revenir à chaque fois en acheter. Mais arrête. Putain, ils m'ont rafraîchi lui hein. Ils se sont donné le mot. Cassez-vous. Et pourquoi je voulais pas le prendre l'autre avec son arc? En plus avoir une gueule de con, c'est un con. Alors là, on a possibilité d'augmenter aussi l'agilité, et l'agilité c'est ça qui nous fait tirer plus vite, plus loin, plus fort. Voilà. Déjà niveau 3? Ah bah oui, parce que j'ai la girafe, je suis con. Impeccable. Non Billy! Non Billy! Non! Ah, mais... Allez hop! On va se dépêcher de débuter eux. Dis j'avais mon attaque à 5 points. Allez, allez, allez. 7 quand même. 7 ça fait mal hein. Il leur faudrait une petite jauge de doré ouais, pour savoir à quel je dirais en 3 coups. En 3 coups il est mort. Ils sont morts. Là, ceci. Il y avait un coup de main. Super. Merci. Mais arrête. Heureusement que j'ai des potions. C'est un petit jeu à battre. Oh. Non, non. Et il se prend pas en plus ses propres... Ah, ah, ah. Esquive. Ah, c'était bien joué. Ah, c'était bien joué. Non, 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 non. Saute et attaque. Ça, c'est les combos qui font mal. Alors, j'utilise pas trop la magie parce qu'encore une fois, là, comme je l'ai pas monté, comme vous avez dit, c'est une petite cocheuse. Tiens. Dommage. C'est presque à la fin. Alors vous noterez aussi que la jauge du boss, c'est la même qu'il y a dans Binding of Isaac. Alors bon, ça vient à l'origine de là, hein, pas de Binding of Isaac. Mais ça fait partie des petites. Putain. Des petites. Des petits clins d'œil sympas. En fait, finalement, j'ai pas eu
tellement mal hein, pour ce mini boss, je dirais. Allez, allez. Merci la pomme. Ça donne de la vie la pomme. Mais bon, je laisse la pièce, hein, je suis pas une pièce près. Putain, mais... Hop là, niveau 4. Nouvelle combinaison, sprint. Ah oui. Ah, je savais pas qu'on allait plus vite en fait. Ça fait 5 ans que j'ai le jeu et je savais même pas qu'on allait plus vite. 5 ans, 4 ans. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est peut-être ça aussi. À mon avis, ça vient de plus. Allez. Crève. D'abord ? Mais arrête ! Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils sont dormis. Ah, vous me direz, on dort. Ah, merde. La trigger encore. Merci la poire. Merci la flèche. Oh non. Ah là, il a la vieille épée. L'autre, il avait la vieille hache. Avec des malus. Il me semble qu'il y en a d'autres là encore. Non ? Ah si. Allez tiens, mange ! Oh, ils sont pas très résistants, heureusement pour moi, parce que c'est vrai qu'avec ce poireau, ce brocoli. Allez la porte, on arrive au boss là. Alors idéalement j'aurais quand même préféré pouvoir mettre mes points, m'attribuer mes points avant d'affronter le boss, mais il me semble que je peux pas, que ça va être allez go go go. Ah, du poulet, mais j'ai toute ma vie. Le poulet, ça remonte bien la vie. Dommage pour moi. Prends quand même. Non. Bon. Tiens, crève. Esquive. Non. Oh, esquive. Eh, mais on lui fait quand même vachement... Non. On lui fait quand même vachement mal. Non. Eh, si je le fais en... Je le fais en perfect. Je me suis bien débrouillé. Non. Mais attaque-le. Non. Bon, tant pis. Pas pour cette fois-ci le perfect. Mais allez, il lui reste plus que un quart de sa vie. Quand même la jauge de vie parce que une pomme, parce que ça descend vite. Ah, j'arrive pas à le toucher, vous voyez. Ah non. Non. Voilà. Ah, bien joué. Allez, ouais. Et un niveau en plus et un coffre en plus. Ça, c'est de la richesse. Et quoi? Et la princesse. Ouais, pas mal, hein. 700 XP. Alors, où c'est qu'on va? Donc voilà, comme je vous disais, l'agilité pour la rapidité aussi. Merde. Bon, et pour le tir à l'arc, la défense, la santé. Mais je savais pas que ça augmentait la santé. Quand je vous dis que ce jeu, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Pouvoir magique et recharge, ça oui. Et dégâts. Alors on en a 8. Alors vous voyez que pour le truc de la magie, il y a des petits paliers. Des petits paliers, voilà. Le quatrième point,
lui, voilà. Et ben à chaque fois ça nous donne un pouvoir en plus. Donc on en a combien là? Évidemment. On va prendre ça. Ouais, en fait non, je vais pas mettre tout là-dedans. On va mettre ça. Et on va. En fait, il n'y a que l'agilité que je vais pas monter. Parce que bon, la rapidité, la tir à l'arc, c'est pas indispensable, on va dire. Voilà, par contre la santé, c'est vrai que. Et voilà, nouveau pouvoir magique, RT et B. Oui, je sais. Alors les amis, c'est ici qu'on va se quitter. Je vois, on aura quand même fait une bonne partie de. On va dire un bon début. Bah voilà. Bah c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu. Et bah salut tout le monde, à la prochaine. Ciao.